Méditation, éveil du chakra coronal. Le chakra coronal, également appelé chakra de la couronne ou du sommet du crâne, est situé au sommet de la tête. Représentation symbolique, un lotus violet ou blanc étincelant à 1000 pétales. En son centre, un petit œuf d'or, correspondant à la divinité en nous. Mantra correspondant So-Am. Pour d'autres traditions, simplement le silence, il correspond à la glande hypophyse et au cerveau. Sur le plan psychologique, il nous donne notre juste comportement avec l'autorité. Il est en lien avec ce que représente pour nous notre père familial. C'est dans ce chakra que nous accumulons nos colères et nos revendications vis-à-vis de l'autorité. Par extension, c'est dans ce chakra que l'on cultive notre conception symbolique du divin. Un chakra coronal puissant nous donne un sentiment de communion avec notre environnement, un sentiment d'unité qui nous porte vers un comportement écologique qui va de soi. Sur le plan subtil, s'il est bien ouvert, il nous permet de recevoir des inspirations de nos guides spirituels. Par conséquent, si notre chakra coronal est déficient, nous sommes coupés des inspirations des plans spirituels supérieurs, nous avons la sensation d'errer sans but dans la vie, ayant beaucoup de difficultés à trouver du sens à ce que nous expérimentons et en la vie en général. Les drogues ont souvent un effet désastreux sur ce chakra, coupant le drogué de toute inspiration constructive et l'isolant de son environnement. Un chakra coronal bien éveillé favorise les sorties en astral conscientes. Du point de vue parapsychologique, le chakra coronal nous permet de ressentir ce que ressentent les autres, empathie. Il favorise le voyage astral conscient. Sur le plan spirituel, il nous donne un profond sentiment de détachement et de paix intérieure. Nous sommes orientés vers un sentiment d'amour universel qui n'attend rien en retour. Dans le domaine astrologique, il correspond au soleil. Pierre bénéfique, l'améthyste, le diamant, la sugilite, par exemple. Dans la pratique, on ne peut pas vraiment dissocier les facultés et rôles d'un chakra par rapport aux autres. Ils fonctionnent ensemble, et souvent une faculté est reliée à plusieurs chakras. Le voyage astral, par exemple, peut s'effectuer par l'intermédiaire de chakras différents. La voyance, par exemple, résulte souvent de la combinaison de chakras aux rôles complémentaires. Chakra du cœur, clairsentience. Chakra de la gorge, clairaudience. Chakra du troisième œil, cliché de voyance. Le magnétisme, par exemple, résulte souvent de la combinaison du chakra du plexus solaire et du chakra du cœur. Il en est de même pour la plupart des facultés humaines. Pratiquons maintenant. Vous placez dans une posture confortable, favorable à la méditation. Les paupières closes, vous détendez le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les épaules et le cou parfaitement détendus. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front. Tout le visage détendu, tout le corps détendu.
Puis maintenant, vous vous concentrez sur le sommet de votre crâne. En cet endroit, vous visualisez un lotus de couleur blanche, étincelante, aux pétales innombrables. Au centre, brille un petit œuf d'or. Petit œuf d'or symbolisant le divin, l'absolu, l'incréé, le suprême. Tout en continuant de vous concentrer sur cette image d'un lotus d'une blancheur éclatante, aux pétales innombrables, en son centre un petit œuf d'or, vous allez chanter le mantra Soham 20 fois de la façon suivante. Vous chantez So et vous imaginez que le souffle et le son montent tout le long de votre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et après avoir de nouveau inspiré, vous chantez Ham et en même temps vous imaginez que du haut du ciel, le souffle et le son Ham descendent, traversant le sommet de votre crâne, en descendant tout le long de votre colonne vertébrale. Et vous recommencez ainsi 20 fois. Si possible, imaginez l'augmentation de l'amplitude de montée vers le haut du ciel au fur et à mesure de chaque cycle. So.
So. Maintenant, voyez, sentez le lotus d'une blancheur éclatante au sommet de votre crâne qui rayonne de plus en plus de lumière blanche tout autour de vous. Voyez cela, sentez cela. Puis maintenant, concentrez-vous sur le petit œuf d'or au centre du lotus, votre esprit de plus en plus concentré sur ce petit œuf d'or, cet œuf d'or au milieu du lotus blanc. Je vous laisse quelques minutes concentrer uniquement sur ce petit œuf d'or au sommet de votre crâne. Voyez cela, sentez cela. L'esprit parfaitement attentif, lucide, uniquement concentré sur ce petit œuf d'or au sommet de votre crâne. À chaque fois qu'une pensée, qu'une image parasite vient perturber votre esprit, sans crispation, en douceur, vous ramenez votre concentration mentale sur ce petit œuf d'or au sommet de votre crâne. Voyez cela, sentez cela. L'esprit parfaitement attentif et lucide. Concentrez sur ce petit œuf d'or au sommet de votre crâne.
Puis maintenant, prenez conscience de cette lumière qui s'élargit et s'intensifie autour de votre chakra coronal. Vous baignez de plus en plus dans cette grande lumière blanche. Et en même temps que vous êtes concentré sur l'illumination au sommet de votre crâne, vous chantez intérieurement le mantra Om. Bien, maintenant, vous vous contentez d'observer ce que vous ressentez intérieurement. Amour, unité, amour, unité. Voyez, sentez dans la réceptivité. Bien. Vous effacez ces sensations, ces images. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous vous sentez plein d'énergie et de vitalité. Ces images s'effacent progressivement. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.